bienvenue pour le stream du n'importe quoi, du World of Warships à ne plus savoir qu'en faire. Nous sommes à l'épisode numéro 72 et nous sommes en compagnie de Raphaël qui est totalement là. Raphaël. Bonjour YouTube. Enfin bonjour Antoine, c'est YouTube. Coucou les gens. Merci à Jonas Geek de nous hoster. Et va-t-on enfin réussir à faire une partie avec mon puf? Mon foutu au chaud, histoire que j'ai les pieds au chaud et que je me pourris, c'est en l'honneur de Jonas, spécialement dédicacé. Allez, bon, allez, quand tu veux, on y va. Alors, attends, je suis juste retourné. Essaye plutôt un tier 4. Parce que là, tu vois, tier 5, on s'est fait démater, la team, elle en a pris plein la gueule. Bah, moi, j'ai Wyoming, en plus de l'Ukraine jusqu'au New York. Ouais, c'est cool. Et tu sais pas comment ça me fait bizarre, hein, parce que, en fait, ces navires, je les ai abandonnés comme des pauvres merdes. Ah là là, n'abandonnez pas ni vos chiens, ni vos navires. Hein. Non, je les ai, entre guillemets, abandonnés, parce que, en fait... je les avais direct sur le serveur public test, hein, donc voilà. Mais tu vois, le truc, c'est que si tu gardes des lotières, tu peux continuer à jouer, tu vois, c'est genre si t'as des potes qui commencent, tu peux jouer avec eux, c'est cool. Oui. Là, sur le serveur public test, on trouve pas aussi facilement les parties comme ça. Ah bah oui, j'imagine. Seconde avant d'avoir une partie. Ouais. Non mais tu vois, faut penser, tu vois, si t'as des potes que t'as envie de convertir à World of Warships, tu vois, c'est important que tu puisses jouer avec eux, tu vois. Sinon mec, je peux vous te dire, ce qui était entre les VOD, en fait, oui. C'est que j'ai trouvé un truc qui quand même est boosté ton PC, je te jure. Mmh. Le jeu, en moyenne, je le faisais tourner avant à 20 FPS. Maintenant là c'est 20 FPS constant. J'en suis pas à ce point là, hein. Autant que je sache, j'ai... Non, en fait, c'est hyper simple. Ouais. Je retrouve comment faire en fait, c'est tout. Ah. Ah bah plus. C'est pas grave, ça te reviendra. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut aller dans les fichiers. Enfin, pas dans les fichiers, il faut aller dans le truc exportateur fichier, il faut aller sur ce PC, il va cliquer droit sur la zone blanche. Faut faire propriété et après, je ne sais plus. Tout ce que je m'en souviens. Là, je vais sur D. Si c'est les trucs inutiles de Windows à désactiver. Mais c'est hyper utile parce que là, il tombe plus vite, hein, je te jure. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si t'enlèves des trucs inutiles, du coup, ils tombent plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi j'ai encore 305 mm? Pourquoi j'ai encore 305 mm? Ah, écoute, les petits canons, tout ça. Et mec, je pense à un truc pour New York, en fait. Ah là là, on s'est fait démonter. Enfin, au nord, il y a beaucoup d'avions espions, donc méfiez-vous. Mec, je pense à un design pour New York, je sais pas pourquoi. En fait, tu vois, en fait, on prend Wyoming, on enlève la tourelle qu'il y a, on enlève la tourelle surélevée. Au milieu. Une catapulte! Pourquoi foutre une catapulte sur une tourelle? Bah écoute, y a ça dans le... Tu sais les cuirassés qui ont des petits pions pour spotter. Ils ont une toute petite catapulte, oui, qui prend à peu près la place d'une tourelle. Hein. Bon, moi je me suis fait doser mes avions, ça va oui, pas... Mais je sais même, mais pourquoi il n'avait pas pensé à le prendre à Wyoming et d'ouvrir la tourelle sur la vue du milieu? Pourquoi? Ça peut être des problèmes purement budgétaires. C'était quand même assez courant à l'époque, surtout que dans... il y avait déjà trois navires à Wyoming, je crois, qui étaient construits. Et là, il y en avait quatre qui allaient bientôt être construits. Pourquoi ils ne prenaient pas, genre, le dernier qui allait être construit et enlever la tourelle, quoi,
de faire ce que je t'ai dit. Ah ouais. Why? Des problèmes budgétaires. Et comment voulez-vous qu'on finance tout ça? Parce que mec, c'est plus cher d'acheter le développement d'un navire que de construire un navire. Tu sais pas ça. Bah oui. Ça tu sais pas. Parce qu'après, il faut employer des ingénieurs, des trucs comme ça, plein de trucs. Quand le développement s'imite à changer une tourelle contre une catapulte, je crois que ça va quand même. Le mec, au lieu de la tourelle. Je touche le Myogi. Déjà, ah oui, c'est vrai que t'es tout. Ah oui, je suis en porte-avion. Bah, je croyais que c'était genre en Yamato et tout ça. Ah oui, non, mais non. Et mec, Yamato, quand on prend le truc 35 km avec la même reconnaissance. Si. On peut tirer partout. Je te jure. On peut tirer partout avec le Yamato. Ah bah oui, vu les canons de bâtard qu'il y a dessus, encore là. Je jure. On peut tirer d'abord de stock là, de base, on peut tirer à. À 20, 27 et quelques. Avec une amélioration, on peut aller jusqu'à 31. Et avec la vieille reconnaissance, on va jusqu'à 37. Donc, si le Yamato se met au milieu de la map, il peut tirer partout, oui. Alors, ce serait bien si tu disais comme l'Isokazé, c'était bien. Là. Tu peux. Hein. Déjà, faut t'aller. Il se passe totalement des choses. J'ai honte en fait. C'est pour ça que j'ai dit la tes souhaits. Et la tes c'est pour qu'on éternue. Oui, mais moi j'ai autoroute parce que voilà. C'est rigolo. Bon, alors comment je vais faire rentrer mes avions sur t'as vu bien ça parce que quand j'étais connu, c'est-à-dire il y a à peu près une semaine, quand il y avait Jonas qui est arrivé, j'étais en train de dire. Bonjour Jonas, les bières sont au frigo et les trucs, je ne sais plus quoi, et là. Ouais. Les bières sont au frigo et est-ce que je ne sais plus quoi. Oui, les bières sont au frigo, oui. Ça, c'est classique. Eux, il faut pas qu'ils aillent par là. Il faut pas qu'ils aillent par là. Pardon. Vas-y. J'ai pas bougé, je me suis pris que tant pis. Donc là c'est les occasions qui s'est pas joué. Ben il y en a. Il y a un truc très courant dans le jeu de baston, c'est sur un japonais ça passait. Parce que genre tu vois les japonais. Mais je l'ai encadré trop fort. Je vois, je l'ai encadré de what. Ben le mec il serpente entre des titres. Alors. Alors, groupe 2. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par chez nous? Pareil que finalement, les torpilleurs avec des avions torpilleurs, ça marche. Alors, c'est ça. Je sais pas si. Je sais pas si tu t'intéresses un petit peu à la science-fiction, en fait. Je sais pas. Oui. Un petit peu. Si tu veux, mec, j'ai un animé qui rassemble la science-fiction et un petit peu d'histoire japonaise. Si tu veux. Il s'appelle Space Battleship Yamato. Ah, mais ça me dit tout à fait quelque chose. Mais je pense que je mélange peut-être un petit peu. Bon, alors j'ai essayé de te couvrir vaguement. Alors déjà, Zipang, on laisse tomber parce que là c'est la seconde mondiale à l'air de Mundoué. Après je sais pas quel anime tu connais après. Pour rester dans le genre navire spatial, il y a Albator alias Captain Harlock. Un grand classique, surtout pour les vieux dans mon genre. Oui. Et que je recommande tout à fait. Pour moi, c'est un classique, et pourtant je n'ai que 11 ans.
Bon, alors le Myogi, il est toujours pas abattu, donc on va essayer de faire quelque chose. Tu peux chier l'eau, hein, parce que voilà, il y a espèce de bateau qui vient bateau, il y a des trains qui volent, il y a Big Boy, il y a le grand comité européen du monde qui vole, qui protège le monde contre les extraterrestres, qui vont dans un autre univers. Comme le Space Yamato là, il doit aller à 160 000 années-lumière de la Terre sur Escanda pour voilà quoi. Ouais, moi si tu veux j'aime bien. Alors je sais pas si tu connais le mouvement de l'anticipation, mais en gros si mec, c'est déjà un truc. Attends, là je suis sur ton live Xbox One là. Oui. Et là je vois ta croix, et là je vois ta tête. Enfin, bah oui. Je vois ta tête. Bah tu l'as déjà vu. Enfin je suppose. Ah merde. Oh là là. Évidemment. Si OBS fait la merde. Bah oui. Voilà, la qualité est totalement professionnelle. Vas-y, je lui fais pas mon stream, ok. Je suis pas venu pour souffrir, ok. Tu peux venir pour regarder une tête, ok. Ah là là, quelle horreur. Bon, alors ça, est-ce qu'on peut les ramener? Oh là là, c'est bien. Attends. Ok. On a plus personne. Et ceux-là, ils ont rien. Mec, attends, je vais te passer le lien sur le Discord pour spawner ce lap. Pour spawner la pêche. Je t'inquiète pas, a priori, je pourrais trouver. Non, parce que là, c'est sur un truc. Tu prends ça sur IRC ou... Tomber du camion, tout ça. Mais en tout cas, je sais pas si t'as vu Captain Harlock alias Albator, mais vraiment, c'est totalement le bien. Et moi, je connais un petit peu, en fait, voilà. Bon, est-ce que mes avions font quelque chose? Apparemment, ils sont en route. Bon, là, je t'ai envoyé le lien. Il y a Jonas qui est connecté. Je sais pas si t'as vu le truc là que je t'ai envoyé là. Non mais là je suis occupé avec mes avions tout ça parce que moi je suis pas mort en deux secondes. Je sais pas si t'as vu, salut, je... Non j'ai pas vu, j'ai pas vu. Ok. Bah là je te lève un message. Salut. Alors... je sais pas si tu le sais mais si tu télécharges l'appli Twitch, tu peux te voir. Ah si, j'ai vu ce matin voilà. avant que t'arrives. D'accord. Et Jonas. Jonas, il n'est pas là, voilà. Et Jonas, je crois qu'il n'est pas sur la live, si. Je ne sais pas. Bon, une torpille qui a touché le Danae, il n'y a plus qu'à le cueillir et c'est bon. Hein. Bon, ok, c'est bon. Le Danae est dead. Pas entièrement grâce à moi, mais j'ai quand même mis. En même temps, là, je regarde ton live là, parce que j'ai fait un retour Windows là. Ouais. Pardon. Paf. Tu veux que je te passe le lien pour télécharger le plus serveur public test, hein, si tu veux. Non, mais là, j'ai le temps de rien. Dans le serveur test, j'ai vu dans le lanceur du jeu. Belle show. Mais je te dis, ça m'intéresse pas beaucoup parce que ça va me frustrer plus qu'autre chose. Et j'ai pas besoin de ça. Moi aussi ça me frustre. Mais j'ai envie de tester une avion que je n'ai jamais testé. Par exemple, le Zao, le Yamato, Montana. C'est tout à fait l'occasion de tester des trucs que tu connais pas. En plus, sans faire exprès sur le stream de Jonas, je crois que je suis un petit peu spoil. Possible. Il y a là avec les DD. Avec l'opération Dunkerque. Oui, tu m'en avais parlé. Ouais. Enfin, t'en avais parlé chez Jonas. Mais là non plus, tu sais, les opérations, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais oui, mec, je te dis un truc. Là, Wargaming, ils ont fait fort, hein, je te jure. Parce que, mec, là, ils ont fait honneur à le plus grand sauvetage de. Oui, Dunkerque, c'était une belle opération, Dunkerque, j'avoue. L'opération Dynamo. Bon, alors est-ce que les mecs ont éliminé les vilains avions espions? Je dirais pas.
Bon, ceci dit, normalement on gagne. Je vois pas comment on va faire pour ne pas gagner ça. Bah écoute, pour une fois on aura enfin gagné avec le Osho. Je te remercie. Tu as été... je crois que je dirais... Alléluia. Tu n'as pas été inutile. N'est pas mort en vain, ton sacrifice. Ton sacrifice a permis notre victoire. Bah je pense, hein, je pense, parce que bah écoute, on les a quand même bien mis en déroute. On les a bien mis en déroute et du coup, bah voilà. Enfin moi j'ai. Bon alors. Baissé la vie du recasé qu'il y avait. Voilà, j'ai plus de. Derrière, j'ai juste fait 7 fois la cible, j'ai eu 1229 XP. Mais what? Ben, tu vois que t'as servi à quelque chose. Bon, alors... j'ai pris un tier 3 parce que le Wakatake, je te disais, le torpilleur japonais, justement. C'est peut-être un peu bas comme tier pour toi, faut me dire si... Oh, c'est bon, je vais encore acheter un nouveau navire. Bon, bah écoute, t'as les moyens. Je suis à les moyens, alors... Question bête, t'as combien de place pour des navires, toi? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, attends. 15. Oh là là, oui, quand 15. Même, c'est sérieux. Moi, j'en ai 10. Donc, ah, mec, j'en ai acheté un petit peu. Ouais. Je te dis, franchement, j'en ai acheté un petit peu. Vas-y, je vais me faire plaisir. Oh, vas-y, je vais me faire plaisir. En tout cas, si ça te pose pas de problème, essaye de garder tes lotières parce que moi j'ai pas mal de lotières à faire avancer encore. Pas mal de 3 et de 4. Ah, mec, là je vais garder 5 et le Novik, c'est tout. Fais-toi plaisir. Oui, j'ai retrouvé mon bon vieux Saint-Louis. Je l'ai retrouvé, mon bon vieux Saint-Louis. Le tonton Saint-Louis, tu es là, bonjour, bonjour, tonton Saint-Louis. Ah, je suis trop content de le retrouver. Qu'est-ce qu'il est puissant. Pour un lotier, en plus. Bon, quand tu veux. Tout ça. Là, plus, ça fait du plus, ça fait du plus, ça fait du plus. Hop, let's go. Ok. Ah, tonton Stam, ça fait du bien. je sais pas comment les games de fou que j'avais fait à l'époque. Oh, je crois que je me viens de dire, c'était un petit peu chelou. Non, on a tous les deux en tier. Ah bah, je suis en top tier. Tiens, je suis en top tier. Voilà, ouais. Voilà, tier 3. Mais tu vois, il vaut mieux avoir des tiers homogènes dans ta division pour pas que ça fasse un peu n'importe quoi. Ouais. Et rappelle-moi ce que ça veut dire homogène, ça veut dire... Identique. Oh oui, les 14 canons. Oui, les 14 canons. Oui, ça veut dire... Calme. Mais ouais, mais homogène. Tu vois, t'as déjà fait un gâteau? C'est, en fait, c'est ma mère qui l'a fait, et du coup, je vais t'amener un petit peu. Bon, bah, si tu l'aides un petit peu, tu vois que, si tu veux, au début, quand tu mélanges la pâte, t'as la farine d'un côté, le lait de l'autre, etc. Et tu vois, c'est pas homogène, c'est que tu vois qu'il y a d'un côté, il y a la farine, et de l'autre côté, il y a les œufs ou le lait, ou ce que tu veux. Mmh. Et quand, au fur et à mesure que tu mélanges, il y a un moment où la pâte, si tu veux, ça devient la pâte. Tu vois que c'est la pâte, tu peux plus séparer le lait de la farine, et ça veut dire que la pâte est homogène. Je sais ce que ça veut dire, mais je sais pas comment décrire, en fait, c'est l'eau. Ah bah voilà, je pense que c'est la façon de le décrire, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Tonton Saint-Louis, ouais, tonton Saint-Louis. C'est quand tu ne peux plus séparer les différents éléments qui font quelque chose, c'est que c'est homogène. Bah, tous les éléments sont mélangés. Oui, tonton Saint-Louis avec des titaniques, ouais. Calme-toi. Tonton Saint-Louis. Alors,
Je vais essayer d'aller jusqu'en E7. Et je vais balancer de la fumée, tout ça. Je fous Fais gaffe quand le même. bordel. Fais gaffe quand même. Parce que là, les ennemis, soit ils vont à droite, soit ils vont à gauche. Là, je vais. Bon, bah Pour écoute. toi. Pour toi, là, je vais à gauche pour toi. À bâbord. Ok, oui, je vois où tu vas. Je vois où tu... De toute façon, je te dis, je vais balancer de la fumée et on va essayer de faire quelque chose après. Il commence à y avoir déjà des gens, dis donc. Bon, alors. Non, c'est Ouf. pas moi qui tire. On va se booster. Non, c'est pas moi qui tire. Hey, des gens qui font n'importe quoi! Non, c'est pas moi qui tire. Ouh, là, Arrête je suis encadré. de faire le couillon, s'il te plaît. Volontaire, j'ai voulu l'avoir servi. Lui, en limite, le cerveau, j'ai envie de l'avoir pour la réalité. En fait, le Saint-Louis, c'est l'Atlanta de la hauteur, en fait. Le Saint-Louis, en fait. Un petit peu. Ah, pour moi, c'est ça. Hein. Chester, tu vas te couler. Chester, tu vas te couler. Cool, Chester, tu n'es pas admis dans ce monde. Qu'est-ce que tu racontes? Il est fou cet Mais. homme. Je veux dire, cet enfant est fou. Je veux dire, cet enfant est fou. Denver, le dernier dit. Alors attends, Wack attaquer, pif pif. Je sais pas si tu pouvais venir en fait, parce que. Ah. Parce que là, on a. Même, parce que là, on est quasiment que les croiseurs, on a juste un omikazé avec nous. Bah oui, mais en même temps, là, tu vois, je suis déjà occupé avec des gens, là. Là. Les gens qui veulent ta mort. Ta quad? J'ai clairement l'impression qu'on ne me veut pas du bien. Les gens n'ont Ah, pas envie de me faire du bien. lui, il me met un feu, lui. Lui, Chester, il me met un feu, c'est moi qui suis plus haut terre. Mais what? Allez, le V25 là. Oh, tu peux Lâche. faire. Bon, déjà, j'échappe aux torpilles, c'est pas si mal. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est un peu de la difficulté en ça. Hein. Ça y est, ça s'est fait. Oh mec, Saint-Louis versus Saint-Louis, qu'est-ce que tu vas dire? Saint-Louis versus Saint-Louis. Bah écoute, Ah, je j'écoute me un nom dirige de vers nom, toi c'est là en ce rien. moment. Je vais essayer de voir ce que je peux Bah. faire. Oh mec, c'est bon, on tape plus longtemps. Coucou, Jamiette 17, sois le bienvenu. Les bières sont... Coucou, tu veux voir mon stream? On va essayer de faire quelque chose. Oui. Je suis blessé pas trop cool là, ok? Bon. Écoute, c'est nous qu'on est venus pour les faire souffrir. Hein. Bon, Je alors où suis est-ce que blessé t'as les là pour quoi là, pistolets? ok? Pourquoi là? C'est vous qui courez! J'arrive! Sors! Sors! Bon, j'arrive, on se prépare. Alors, est-ce qu'il a porté au niveau canon? Non. En fait, là, faudrait juste que tu t'occupes du Watatake qui est au centre, c'est tout, en fait, c'est tout. Le Wakatake qui est au centre. Je ne vois pas de Oui. Wakatake. Oh, le voilà. Saint-Louis versus Saint-Louis, mais qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, mais attends, moi je suis venu là pour le bolosser par derrière. En fait, si tu veux, ce que je prévois, c'est de surgir de derrière l'île qui est devant moi et de le torpiller par derrière. Ça c'est le plan. Je ne garantis pas qu'il fonctionne. Ah, ouais.
Allez, je ninja le kill. Non. J'ai pas pu ninja, bon, c'est pas grave. Mais là, si tu pouvais. Parce que moi, c'est. Ouais, c'était du coup du wack attaqué. Ouh, le wack attaqué, ok. Check, check. Torpille. Check, torpille. Je t'occupe du weapon sake et que après tu suis jamais aidé sur le salon, ce serait cool, ouais. Ouais. Là, j'ai attaqué des deux fonds différents. C'est pas exactement garanti, hein. Non. Pas sûr de survivre à tout ça. Pas non plus. Je fais un kill au moins. Je serai mort en héros. Voilà, ton sacrifice n'aura pas été vain. Ouh. Oh là là, l'esquive de torpille, mon gars. L'Albanique, bien joué la team, bien joué la team. Bon, maintenant il faut que je m'occupe du Saint-Louis. Oui, s'il te plaît. Pardon. Parce que le Saint-Louis, là, j'ai abandonné là. Ah ouais, tu t'es dit. Je ouais, bon. Là-dessus. Tu t'es dit que t'étais pas venu pour souffrir. Non, je n'étais pas venu pour couler. C'est différent. Bon, allez. Là, je vais m'échouer là, c'est normal, d'accord. Le nuage si de je m'échoue là, c'est normal. Le nuage de fumée me contient. Ouais, j'ai pas de canon. Qu'est-ce qui se passe avec mon canon? Hop 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 hop, ça va mal se finir ça. J'ai détruit le Saint-Louis. J'ai détruit le Saint-Louis et là je suis fier de moi. Ouh 34. Ah bah écoute, je suis quand même content de l'avoir eu celui-là. Ah mais non. Comme on dit, soit tu meurs en héros, soit tu vis assez longtemps pour devenir le méchant. je suis mort en héros parce que j'ai coulé de navire. Ouais. Mais. Oh, je pense que moi, je crois. Je t'ai vu te précipiter vers le. Enfin, je t'ai vu foncer vers l'île droit devant, je me suis dit, oulala, ça n'augure rien de bon. En plus, le Yokaze et moi, on a laissé le Skeleton à 100 HP. Bah, il est où, mec? Là, il y a deux. Où ils l'ont eu? En fait, le Skeleton, là, il est mort, en fait, le Skeleton. Ah, d'accord. Du coup, là, il est mort. Et là, du coup, là, il reste plus que l'Emden, là, juste derrière soi, en fait. Ah, ouais, d'accord. Ok. Ok. L'Emden contre le Traditon. Bah écoute, on va voir si on a des canons qui daignent se tourner vers lui à un moment. Là j'ai envie d'aller sur le serveur un test public pour le voir, mais je peux pas parce que je veux jouer avec toi. Coucou Ishli Bibi, sois le bienvenu. Bah de toute façon, tu sais, la VOD est bientôt. Donc, tu pourras aller sur le serveur test, faire le fou. Alors, est-ce que je vais ninja le kill? Ah bah non, je ninja pas le kill. Ah, bah... ah, ça aurait été sale, mais voilà. Non, il était encore... Portée, elle me donne, il était hors de ta portée. Ouais, justement, c'est pour ça que je faisais demi. Bon bah écoute, encore un gros quart d'heure, en gros. Parce que là, on a une demi-heure dans cet épisode numéro 72. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai encore du lot tiers. Ah bah, dis donc, le tiers 2, finalement, ça n'a pas... Le Jurien, on a perdu la partie avec le Jurien, donc... Je suis désolé de te faire subir ça, hein. Mais je suis obligé, après avoir acheté le Novik et le Salon, je suis obligé de t'acheter... De jouer encore avec toi. Ah bah voilà. Je te tiens sous mon emprise. Bon.
Quand tu veux. Déjà. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'était mon père. Ah. Oh, c'était mon père. Bon, allons-y. Alors, comment tu vas-tu bien, Ishli? Depuis tout le temps. J'espère que t'as pas trop de mal à te lever de matin de si bonne de si bon matin en fait. Et quoi, j'ai les questions allumées, tout allumé encore, ça recommence encore. Laisse-nous. En fait, la pièce là. Laisse-nous dans le chantage à cause de la télévision et tout la computer là. Tout ça, c'était chou là. Et toi, c'est comme tout, t'étais chou. La drogue. Oui, tout à fait, Ishibibi, je recrute des moussaillons. L'école, il a l'air, toi, tu ne travailles pas à l'école. Avec toi, c'est là. Mais. Bon. Pour des raisons de... pour des raisons de vie privée, j'ai coupé le son de Raphaël. Et on va bien voir ce qui se passe. Ah là là. Bon, en tout cas, j'espère que le stream marche bien, Ishibibiche. J'espère que tu ne perds pas trop d'images. Ça a l'air d'être relativement tranquille hein, sur World of Warships quand même. Hein. C'était un peu le bordel hier. Oui, il parle en ce offensive, tout à fait. C'était un peu le bordel hier sur Rising Storm Vietnam, mais là sur World of Warships, ça a l'air d'être tranquille. Eh ouais. Bon, c'est quand même un peu les vacances. Bon. Et pour le coup, il s'est levé tôt, hein, le gamin. Et il s'est levé plus tôt que moi à la même époque. Bon, alors. Trouvons-nous un truc derrière lequel nous cacher. Tel un vil singe. Réditionnaire, mangeur de fromage. On va aller à fond les ballons. On essaie de se lever tôt comme un bon citoyen, mais totalement. Ok, c'est bon. Hop. Re. Ah, voilà. Comme on disait avec Ishibibiche, voilà. Ouais, excuse-moi pour ça, mais voilà. Tu te lèves plus tôt que moi à la même époque, donc j'ai envie de dire, quelque part, on t'en félicite. Comme ça, mais... Attends, explique ce que tu viens de dire. Bah, moi, quand j'avais ton âge et que j'étais en vacances, je me levais plus tard que ça. Je me levais certainement pas à 9h, tu vois. Parce que moi, comme je me suis tellement amusé sur le dernier live que j'avais fait avec toi, j'ai envie de remettre ça. Donc, bah, du coup, écoute, voilà. C'est, on est là pour ça, on est là pour partager le plaisir. Si je suis venu, c'est pour souffrir avec toi, ok? Mais t'es venu pour souffrir, non. T'es venu pour être en tir de, ok? Non, je suis venu pour être en Atlanta. J'avoue que le tir 2, c'est quand même un peu dégueulasse. Hein. On s'est fait ramasser la gueule tout à l'heure. Ouais. C'est quoi qu'on voit de nouveau en haut de tir, s'il te plaît? Bah, le truc, c'est que j'ai fait mes 50% d'XP, quotidien. Donc, sur les hauts tiers. Donc, ça sera pour la prochaine fois. De toute façon, il reste un quart d'heure dans la VOD. Non, mais il reste 10 minutes dans la VOD. Donc. On fera ça, on en fera une autre et puis ça sera bon. Ah, je vais essayer de contourner un peu le V25. Et
pas où t'es. Ah merde, t'es au milieu toi. Ouh là là. Au milieu. Ouais, fais gaffe parce que c'est chaud au milieu. Hein. Allons goûter la menace crypto-communiste. C'est totalement là. Bravo Moussaillon. Qu'est-ce qu'il entend dire Ichibibi là? C'est Ichibibi. Non, parce que les bâtonnets de Colin, du Capitaine Iglo, tout ça, le joueur du grenier. Tu sais, le joueur du grenier, il délire avec. Oui, les moussaillons à manger les bâtonnets de Colin du Capitaine Iglo. Et tu sais. Écoute, le joueur du grenier, c'est tout ce que je peux dire. Moi, le joueur du grenier. C'est fait. Voilà. Et t'as fait ton kill? Oui. Ah, bien joué. Et voilà. Moi aussi. Tu vois, t'as fait ton kill et t'as fait ton taf, tu peux me demander si moi je fais le mien. Et je vais essayer de le faire. Alors maintenant, je te reviens. J'ai eu rien de la gravière. Allez. Rien de la gravière, n'est-ce pas? D'abord, je suis pas le nom de la meilleure franche, s'il vous plaît. Et je suis pas venu là pour de la gravière. Mais si je suis venu, c'est pas pour le Novi qui est levé 25 de mars. Hein. Ah bah Ichlibibich, non tu pensais pas au JDG, mais moi si, totalement, je pense totalement. Bah attends, je crois que mes parents sont passés sur Twitch, hein, je crois maintenant. Pardon, tu disais? Je crois que mes parents sont passés sur Twitch, non? Ah bah écoute, tant mieux pour eux, pas de problème. Non mais en fait, eux, si tu ne saches pas... Oui, oui, non mais ils sont totalement passés sur Twitch, effectivement, ils étaient pas au courant. Ah non, là, là. En fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est à chaque fois ils me disent que Internet ne m'a pas donné d'argent. Ah, oh là là, je suis en difficulté, totalement en difficulté. Pour que ça supprime tout ça. Et définitif, hein. Définitif. Télévision que tu veux dire. Hop, on va recouper. Hashtag le respect de la vie privée, tout ça. Mais ceci dit, j'avoue que je devrais faire comme David Lafarge et viser les enfants innocents qui me donneraient l'argent de leur goûter. J'avoue, je serais pas contre. Ah, ça y est, je commence à toucher. Allez, on va faire... Ah, il s'est rendu compte que je commençais à être moins mauvais. Ah bon, voilà, ça s'est fait. Ah ouais, non mais... Et les parents, ils sont vénères. Bon, en même temps, il a tendance à prendre sa passion très au sérieux, hein, j'avoue. Non, je t'entends pas, Ishib. J'ai coupé, comme je sentais que ça se vénérait au niveau du micro, j'ai coupé, mais je peux rétablir si tu veux. Dans le bain de Jerem Star. Oui, je suis mimique. Totalement. Je me verrais plutôt dans le bain de Julia Gaming, mais bon. De Bubble Tea Studio. Hein, torpille devant? Ouais. On me dit des torpilles devant, mais en fait non, c'est un mensonge. C'est un vil mensonge. C'est de la propagande. C'est les journalopes. Les journalopes des merdias. Oui, tu m'entends pas. Bah oui, c'est normal. Ah bah... 1-2-1-2. Faut me dire quand je peux remettre mon micro. Hein. Moi j'avais coupé parce que voilà. Bon, alors est-ce que les gens... Non, mais il n'y a pas de malaise. Enfin, voilà, t'énerve pas avec tes vieux. Voilà, je ne vaux certainement pas le coup que tu te mettes en bisbille avec tes vieux. C'est pas... C'est quand même eux qui contrôlent l'argent de poche, faut pas délirer. Hop, hop, hop. Oh zut, j'ai failli toucher lui. Et attends, là il y a une situation pour de vrai. Alors attends. Ah non.
Oh, parce qu'il y a toi, un Français, contre un Emden allemand, un Tenryu japonais et un Asso. Je crois pas que la marine française ait été à un moment contre les Japonais. Parce que ils étaient quand même assez loin. Tu dis hein. qu'ils sont le bout de la terre chacun en fait. Bah oui. Mais il y avait Mercel Kébir, mais. Mercel Kébir, c'était au Moyen-Orient, c'était trop loin encore. Ouais. Mais quand même, il y a le Richelieu qui est allé à Singapour. Ah oui, c'est pas loin. C'est pas loin. Donc peut-être. Mais il n'a pas coulé. Il n'a pas combattu. Il a juste été là juste pour. En fait, c'était juste un visiteur en fait. Mmh. Un visiteur français. Ouais, ouais. Comme dans tous les clichés. Je suis en train de me faire un peu bolosser. Toi, t'es mort déjà? Oui. Ah là là. Le kamikaze. C'est en retrait, mon commandant. Oui, on va essayer. On va essayer de l'achever. Le Dresden, là, si on pouvait le toucher, ça serait bien. Attends, je vais voir ce qu'il y a marqué, Ishii. Bon, j'ai eu mon kill, pardon. Excuse-moi. Il n'est pas. Quel des deux cas est le pire? Ah ah, tu te vois dans le bas de Giant Star? Ouais. Portes, non, parce qu'on discutait de la YouTube monnaie de David Lafarge, tout ça. Donc, les beaux de la YouTube monnaie. Ah bah, si tu ne sais pas qui est David Lafarge, je crois que tu ne rates rien. Hein. On est d'accord. Parfois, je ne sais qui c'est David Lafarge. Ah merde. Bonjour, c'est David Lafarge. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing. Ah là là. De Pokémon. Ah pitié, le cancer. Tu pensais que je connaissais pas? Oui, non, mais tout à fait, Ishibi, elle en joue à mort. Non, j'espérais que tu ne connaissais pas David Lafarge. Mais voilà, le cancer de YouTube est partout. Oui, en fait, David Lafarge, c'est un cancer, en fait. J'aime pas. Enfin, c'est typiquement le genre de vidéo que je ne regarde pas. Hein. Les gens, ils sont libres de regarder ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Après, je sais pas pourquoi, mais je suis tombé sur des vidéos qui parlent de Spider-Man, du Joker, de Batman. Et il y avait David Lafarge dedans. Il y avait aussi Flash McQueen de Cars sur GTA V. Hmm. Non, j'ai pas vu. What the situation? Ishli Bibish, j'ai envie de dire, Julia Gaming, il y a un truc qui est certain, c'est qu'elle doit avoir un bon ordinateur hein, maintenant, je pense. Tu sais, c'est la fille. C'est la fille qui s'est fait payer un nouvel ordinateur par ses viewers et tout. Enfin, c'était horrible. Ishli Bibish, tu veux dire Julia Bayonetta? Hein? Ishli Bibish, il parle de Julia Bayonetta ou d'une autre? Non, de Julia Gaming. Ah, je connais pas. Ah bah écoute, là non plus tu rates pas grand chose. Et donc comme je disais, c'est la fille qui s'est fait payer, tu sais, c'est une streameuse, et s'est fait payer un nouvel ordinateur par ses viewers parce que oui, j'ai un virus, alors il faut que je change d'ordinateur. Bon déjà oh. Hein, c'est la rigolade. Ah d'après ce qu'il dit, c'est la même. D'après ce qu'il dit, Ishibi, c'est la même. Oui. Oui parce qu'en fait, il y a aussi une Julia Bayonetta. D'après ce qu'il dit, c'est la même en fait. Et elle a dû changer de pseudo parce que tout le monde a crié dessus, je pense. Parce que si tu veux, en fait, elle a fait croire aux gens que s'ils lui donnaient 1 euro par exemple, ça serait une fois et ça servait à changer d'ordi. Du coup, je crois que le live ne t'entend pas. Ah. On va essayer de faire des choses. Ouf. Allez le Tenry. Eh mais il est immobilisé le Tenry. Ah oui, il est immobilisé. Ah bah voilà. Ah bah j'ai envie de dire. Voilà, on a capturé tout. On a 350 de toute façon. Ouais, il y a Bayonetta. Parce que là je suis. Je vous entends plus. Qu'est-ce que tu me dis, Shibi? Qu'est-ce que c'est... Chili Bibi, je me dis qu'il m'entend plus, mais que se passe-t-il? Est-ce que tu me vois encore? Attends, qu'est-ce que ça me dit ici? Encore moi, je t'entends. OBS me dit qu'il m'entend. Je pense que c'est de ton côté, Chili Bibi. Mais. Apparemment, Takwan a un
à non, c'est bon, c'est à Steam. Oui, j'ai apparemment, t'as quoi la Steam? Bah oui, j'ai Steam, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Si tu joues sur Steam, n'hésite pas à me rajouter. Donc ce nom, c'est Sumada. Sumadarkson. En fait, c'est Nostradamus à l'envers. Tu sais peut-être pas qui c'est Nostradamus en vrai. Non. C'est un mec qui faisait des prédictions au Schnapps et. Et du coup. Oh putain! Oh, je suis en feu! Je suis en feu! Bon, ceci dit, je pense qu'on va gagner la partie. Enfin, j'espère qu'on va gagner la partie en fait. Officiel. T'as quoi? Il part totalement en steak. Non, c'est le schnapp, c'est le schnapp. C'est la faute, tout ça, c'est la faute à Ichli Bibich qui me déconcentre. Ichli Bibich, c'est Sushi. Mais non. Tout va bien. Bon, bah écoute, on en fait une petite dernière, et puis je pense que ça sera bon. Alors, S'il te plaît, s'il te plaît, pour la dernière. Un haut tiers, tu veux? Bon, bah écoute, je vais grinder un peu mon Miyogi, je pense. Faut que je vois un peu où j'en suis. Oh mec, j'ai envie de dire. Alors attends. C'est le Congo, le numéro le Congo. Deux secondes. Après il y a le fuseau. Attends, bah du coup rien que pour vous, je vais racheter le Congo, rien que pour toi. Attends, bah justement, je suis en train de l'acheter moi aussi. Parce que voilà, j'ai enfin l'XP Hachaception. Exactement. Ah mince, j'ai pas assez de crédit. Le boulet. Moi j'ai totalement assez de crédit, donc acheté, voilà. Je vais faire mon beau avec mon Congo. Du coup, je vais revendre le Novik. Ah. Ça y est. Faut faire gaffe parce qu'avec les reventes, tu perds du... Enfin, tu sais, tu perds de l'argent dans les reventes. Hein. Alors, je vais vraiment sembler. Alors, sans commandant, et j'achète ou assigner un commandant, et donc... Toujours pas. Oh, ça va être lui. On laisse tomber, je crois. On va vérifier quand même qu'il y en a. Je sais pas si je te l'ai dit. Non, j'étais pas au courant. Là je vais te les faire défiler. Attends. Tac. Honneur à la France. Donc ça pour faire honneur à la France, bien sûr. Hein. Tu me vois, non? Oui, je te vois là. Alors, donc le Dunkerque, oui. Normal. Tirpitz. Le Tirpitz, c'est français, le Tirpitz. C'est juste un Dunkerque, pour faire honneur à la France. Ah, d'accord, ok. Non, parce que j'ai vu juste le Dunkerque et j'ai vu le Tirpitz. Après, je me suis dit, what? J'ai un Horst. Bon, t'as pas du tier 5, je suppose? Tier 6, tier 4, tier 5, j'en ai. Parce que je te dis, ça m'arrangerait si t'étais tier 5 aussi, sort que je sois pas sûr de ne pas être top tier, tu vois ce que je veux dire? Pour être homogène selon toi. Voilà, exactement, pour être homogène, tout à fait. Et hop, on y va. Ah, Minekadze, bon, écoute, on va voir ce que donnent tes torpilles. Et ta quoi? Si t'attends, il faut vraiment que tu regardes l'anime Space Battleship, hein. Il y a Space Battleship, ouais, je vais regarder ça. Oh non! En même temps, en ce moment, je suis quand même méchamment occupé. Ah, on n'est pas top tier. Ouh là là! Et du tier 7, du tier 6. Oh, on n'est pas top tier, mais c'est pas loin. Oh là là. Oui, effectivement. Bon, bah écoute, en plus, je ne connais pas mon bateau. Donc ça va être chaud. Oui. Bon, alors déjà, t'as 4 tourelles doubles de 356 mm. Mmh. Ça devrait être pas mal. Avec à peu près un rechargement de 31 et 25 secondes. C'est après ça peut. Voilà. Ça peut différer. Ouf. Oh.
Ah, et j'ai mon avion. J'ai mon avion. Ça, tout ça. Donc là, tu peux le lancer si tu veux. Ok. C'est utile de les lancer dès le début. Je sais. Je suis pas trop le mind game là-dedans, en fait. Oui. En fait, il y en a qui lancent pour déjà spotter les ennemis et le tirer de loin. Par exemple, okay. Moi, j'ai le Yamato, Oui, lance, mais le Yamato, tu peux tirer de n'importe où. Oui. Ok, je lance et puis on va voir ce que ça donne. Question bête, est-ce que je peux donner des ordres à mon avion spotter quand je suis en c'est que en porte-avions. Ouais, c'est que en porte-avions. Oui, là, tu vois, par exemple, mon avion spotter, il est parti au nord. Je crois qu'il va être moyennement utile. Non, mais en fait... Ah, ça y est, il fait le tour. Ouais, il fait le tour. T'as quoi, oui, mais il fait le tour parce que regarde, là, c'est lance tout droit, là, il tombe sur la tourelle avant, là, c'est lance en arrière, et tombe sur la tourelle arrière. Donc, soit il lance à droite, soit à gauche. Ouais, non, mais là, si tu veux, il est parti. Il a décollé, et puis ensuite, il est parti au nord, genre. Tu mets un support, s'il te plaît. Pardon ? Un support ? Ouais, je suis derrière toi, là. Derrière okay. Toi. A priori. Ah, je suis repéré. Genre Je sais pas d'où, mais je suis repéré. Hein. Ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Je suis en train de cap A là. Y a un mec. Ah merde. Oh ding. Parce que tu bouges, ok, tu bouges, d'accord. Ouais, tu sais, je suis déjà un peu en train de me replier là. Hein, Au pire, là, tu te mets deux flancs, c'est tout bon. Bah, tu mets deux flancs pour faire un peu. Je suis de flanc, hein, mais. Oh, en fait, il y a un avion tier 7 qui me suit. Je pense que c'est lui qui est tout pote. Ah. Nagato. On y va. Et hey mec, quand tu seras au Nagato et à l'Amagi, mec, 30 secondes pour rechargement, je te jure. 30 secondes de rechargement. Bah écoute, moi tu sais, à World of Tanks, je suis habitué à jouer... Enfin, pas pour le Congo. Pour le Congo. Sur World of Tanks, je suis habitué à jouer artillerie, et artillerie, t'as souvent entre 30 et 60 secondes de rechargement, donc ça va pas me changer beaucoup. Bon, je suis en train de tourner là. Fais pas le fou. Parce que c'est dommage, tu vois, quand toi t'es mort et que t'as plus qu'à me regarder, quoi. Bon, ceci dit, tu peux me coacher et me dire ce que je fais mal. Ce qui est probablement un sujet passionnant. Alors d'abord, un conseil, faut que tu tires avec toutes les tourelles. Ben, j'ai tiré avec toutes mes tourelles. Ben là, je suis en train de faire le demi-tour pour me barrer. Ouais, reviens vers moi. De toute façon, j'ai l'impression qu'ils sont assez énervés sur le milieu, en fait. Oui, mais là, son push sur A direct, on pourra y aller. C'est pas faux. Stratégiquement, on peut essayer de garder A et puis de les laisser s'énerver au milieu. Il y a le Nagato. Moi, ce que j'aime pas, c'est le Nagato. Tu peux tirer sur le Nagato? Je sais même. Oui, c'est dans le. C'est possible. Tiens, sur le Nagato, ils sont plus AP. Comme ça, tu pourras faire des citadelles. Tu penses que je peux le percer? Bon, j'ai lancé de l'explosif, mais j'essaierai de le percer après. Avec de la chemèque, tu pourras juste faire des incendies maximum. Hein. Bah écoute. C'est ce que je fais d'habitude, le HE, tu sais. J'ai souvent des tirs trop bas pour percer vraiment bien, donc... Tu devrais pas... Là, il faut dire aussi que, tu vois, j'ai une Yogi, maintenant j'ai le Congo, donc le Mind Game... Yogi, tu devrais le vendre, sérieux. Non, mais il est vendu, le Yogi. Je compte pas m'y attarder, puisque strictement nécessaire. Bon, mais en fait, il n'y a personne hein, par chez nous. Tu veux qu'on continue à garder A? Ouais, parce que comme ça, au cas où, comme ça, on pourra attaquer par derrière l'ennemi, en fait. Ok, bon, écoute, on garde A, alors. Je continue mon tour et c'est bon.
Ishlibibish, oui, tu peux jouer tout de suite avec nous, par contre, ça sera en lot tiers et... Enfin, maximum tiers 5, voire... Maximum tiers 5, voire oui, 6. Oui, non, mais le mec, il dit qu'il veut acheter, qu'il veut télécharger le jeu, donc... Oh, bah d'accord, bah attends, je vais te donner le lien. Non, mais la question qu'il posait, c'est est-ce qu'il sera obligé de jouer avec des noobs ou est-ce qu'il pourra jouer avec nous? Alors oui, il pourra jouer avec nous, parce qu'on a des tiers relativement bas. Enfin... T'as vendu le tiers 2, toi? Oui. Ah, bah oui, mais... Là, si j'aurais été tout seul, là, j'aurais été voir là au bas pour lui dire un petit coucou. T'aurais été voir là au bas, oui, mais il est derrière une montagne pour moi, donc ça va être difficile. Oui, moi aussi. Il se rapproche en plus. De toute façon, écoute, on reste sur A, je vois pas de raison pour faire le film. Là, ils ont pris Antonelli, hop, là. Hop. Ça y est, alors il y a des mecs qui sont vénères. Je vais essayer de me taper la galissonnière, là. Oh, maman, j'essaie de me taper le Nagato. Bon. Manifestement. Alors, galissonnière. Ah oh là là, je le rate. Okay. Mais tu travailles le samedi et dimanche, toi? Oui, tout à fait. Enfin, je travaille quand je veux, plus loin. Donc, je travaille à la mission, donc du coup, faut que la mission soit faite. Il y a une mission à remplir pour lundi, donc du coup. Connais Amiral Alberich 2.0. Et quoi? Connais Amiral Alberich 2.0. Non, ça ne me dit rien. Ah, j'ai touché la glissonnière. Le Nagato se rapproche. Là, c'est moi qui me rapproche. J'ai comme l'impression que les mecs en face se sont rendus compte qu'on leur avait pris un point stratégique gratos. C'est comment maintenant, en fait? Et quand les dernières se rapprochent, moi, c'est dangereux. J'en prends quand même plein la gueule. On va se mettre un petit peu de fard à paupières. Histoire d'avoir l'air moins moche. Ah là là. Je vais manger un incendie pendant une minute, ça va être dégueulasse. Ça va être juste dégueulasse. Ok, tant pis, ils sont lancés sous le Nagato. Ouais, moi je me fais asmater par la galissonnière, ça va pas du tout. La garçonnière de DSK. Oh là là, genre je le touche pas une... Oh là là. Je suis. Là, ce qui me fait peur, surtout, c'est la galissonnière. C'est ce qui me fait peur en plus. Bah oui, bah, moi je suis en train d'essayer de m'en sortir là, mais je crame de pas. Moi, je reste sur le point A, comme ça, il prendra pas cap. J'ai plus de points de vie, c'est dégueulasse. Bon, alors oui, où est-ce qu'on est? Et là. Ah, il y a le Nagato derrière, je vais essayer de faire quelque chose dessus peut-être. Il reste encore 5 secondes avant d'éteindre le feu, ça va être chaud. Je pense que si je me prends une bordée, je suis. Bon, ok, j'ai pu éteindre le feu, c'est déjà ça. Ah, je crois que le Nagato m'a repéré. Mm. Oh là là, oh là là, voilà, bon. Bon bah désolé, je te suis. Donc voilà, c'est toi notre héros, c'est toi le héros de notre histoire. Bon, apparemment... Parce que là, en fait, là, je me suis fait attaquer des deux côtés, en fait. Ouais, non, mais là, les mecs, ils sont énervés. Ah, la musique à base de suspense de Ken le survivant est totalement... Là, il reste plus de 15 secondes avant que ma smoke disparaisse. Oui, bah écoute, je crois que... Là, ça, à 5 secondes, là, j'y vais. Ah, bah, je crois que là, j'y vais. Oh, bon. Kamikaze. Oh là là. Et t'as le boost moteur sur Minikaze? Je crois que c'est le moment de booster. C'est ce que je viens de faire. Et le moteur, bravo. Et tout à fait, Ishlibibi, je t'aurai le jeu en 1080p. Ça va te faire un choc. Ah là là. Ah, t'es midlife. Ah, les torpilles. Est-ce que les torpilles feront quelque chose? C'est ce que j'espère. Ah bah écoute, on peut espérer. T'es pas encore mort, c'est pas si mal hein, déjà. Il a tourné, il va esquiver les oui, torpilles. Je sais. Ah là là. Mais il me rend pas comme ça.
Ah, c'est difficile, hein. Coucou Shadow Gold HD, tout ça, les bières sont tout chaud. Le grog est dans la réserve. Touche, s'il te plaît. Ah, ah. Ah, il y aura peut-être quand même. Touche. Oui, il y a une torpille à toucher. Ah, ouais, elle est. Mais le Nagato, elle est devant. Ouais, je crois que celle-là va être perdue. Il les voit arriver, les torpilles, oui. En fait, suivant la capacité de détection de ton bateau, suivant la discrétion des torpilles, etc., il les voit plus ou moins vite arriver. Et du coup, une fois qu'il les voit arriver, c'est le bordel pour esquiver. Bon bah écoutez, c'est malheureusement la fin de cette VOD et la fin du stream d'aujourd'hui. Et oui, donc au revoir YouTube, au revoir Twitch et Ichlibibich, n'hésite pas à Télécharger le stream, tu viens. A priori, je streamerai lundi matin si j'ai fini ma mission. Donc voilà. Je vous dis bisous. Et à bientôt, et merci d'avoir été là, merci de Pause Blanc. Pause Blanc pour Libra TV. Exactement, et à bientôt, ciao. Ciao. Bon.